Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de notre reportage sur le Marocco Desert Challenge 2023. Nous sommes passés d'Agadir à Plage Blanche, Assa et Foumsguit, et là nous allons aborder les trois dernières étapes de ce raid vraiment très dur, une édition qui fera date. Tout peut encore changer au cours de ces trois dernières étapes, qui elles aussi sont annoncées assez difficiles. Qui en sortira vainqueur ? Sixième étape donc, de marmite à marmite, une boucle raccourcie en raison des fortes chaleurs qui règnent sur la région. Des chaleurs qui ont du reste incité les organisateurs à interdire cette étape aux motards. Et une décision bien entendu aussi motivée par le décès la veille de Bram van der Waaden. Nous passons donc directement au SSV, les Side-by-Side Vehicles, pour leur part bien au départ. Et c'est une nouvelle victoire pour Gunther Hinkelmann et Felipe Bianchi di De Oliveira sur un des nombreux Can-Am Maverick engagés ici. Ça a été une journée vraiment difficile, avec beaucoup de cailloux, beaucoup de surprises, et un petit bruit du côté de la voiture, donc je suis un peu inquiet. Mais je suis heureux d'en avoir fini avec cette étape. Au général, une lutte oppose Van den Brink et Huizink pour la tête de la course. Ici, Martin Van den Brink et son fils, Michel, qui terminent deuxième de l'étape et reprennent plus de 4 minutes à leur rival. Les Polonais Brozowski et Albinowski prennent une belle troisième place d'étape. Tandis que Rui et Bernardo Oliveira clôturent cette journée au 8e rang. Tout se passe bien, la navigation est difficile, mais ça se passe bien. Hier, nous avons perdu un peu de temps dans les dunes. Nous préférons un terrain plus dur, pour ça que nous avons perdu un peu de temps dans les dunes. Mais au fond, bon, tout va bien. Et on retrouve Martin Van den Broek et Jean-Paul Van der Poel en caméra embarquée dans leur Can-Am Maverick X3 qui termineront 15e de cette étape. Un peu plus de temps perdu pour Patrick Hillouar qui termine seulement 30e cette étape. Retour en on-board avec les fils Van der Valk, Max et Martinus qui s'offrent un petit tonneau gratuit puisque la voiture se remet directement sur les roues. Ah, ils ont du bol sur ce coup-là, hein. Au 9e rang, Flore et Rudolf Meyer peuvent être satisfaits de leur journée. Davantage en tout cas que Theoessen et Bastings, 34e seulement à 38 minutes. Mais ce n'est rien à côté de ce que vivent les Rodriguez Gamboa, comme vous le voyez à l'image. Ils devront renoncer. Ah, ça c'est sûr, ça fonctionne beaucoup moins bien. Au général de cette étape, victoire donc pour Hinkelmann, Van den Brink, deuxième, Brozowski, troisième, limite les dégâts. Huizink perd plus de 4 minutes sur Van den Brink. Passons aux voitures et buggy avec une nouvelle victoire pour Mathieu Serradori et Loïc Minaudier. On a ouvert la piste sans les motards devant, donc pour de bon aujourd'hui, il y avait vraiment zéro trace. Et je tiens à féliciter Loïc parce qu'il a fait une super navigation. On a gardé un bon rythme et on a gardé, je pense, Simon avec les 2 minutes d'écart. Donc je pense qu'on remporte la spéciale. Simon Witz et Frédéric Lefebvre, deuxième de cette étape à 48 secondes des vainqueurs du jour. Et par ailleurs, deuxième au général. Guillaume Dumaret et Jean-Pierre Garcin décrochent aujourd'hui la 4e position. C'est une étape très dure avec une navigation très difficile. Nous avons dû faire du hors-piste et nous nous sommes aussi perdus un moment, mais bon, ça s'est bien passé. Nous sommes à l'arrivée et nous sommes aussi très satisfaits. Henk de Jong et Wouter Rozegaard terminent cette boucle au 7e rang.
belle journée, belle étape. C'était un peu court, mais ça on savait. C'était une spéciale difficile et rapide, avec pas mal de points pour la navigation. C'était donc parfois un peu la loterie, mais je pense que nous nous en sommes bien sortis. Thaïs et Deleu ne peuvent par contre en dire autant. Nous avons commis une petite erreur de navigation. Nous avons loupé un waypoint que nous devions prendre. Nous avons donc dû rechercher la bonne route, ce qui nous a fait perdre environ 20 minutes. C'était littéralement et au sens figuré une journée chaude aujourd'hui. Une journée chaude effectivement, hein, puisque la température frôlait les 45 degrés dans le désert marocain. Et c'est donc Serradori qui s'en sort le mieux en imposant son Century à une brochette de MD, emmenée par les Français Witz et Pellichet. Côté camion, Vic Versteinen continue de dominer le sujet, a fortiori depuis l'abandon de Janus Kasteren. C'était encore une très belle étape, mais très difficile en termes de navigation. Au début, il y avait beaucoup de petits arbres et de dunes. Et nous avions le choix entre 8 pistes, je pense. Mais il faut garder le cap, et nous avons dû rebrousser chemin à quelques reprises. La deuxième place du jour, et au général, revient au Belge Igor Bouwens sur cet Iveco. Les deux dernières journées ont été excellentes et aujourd'hui le parcours était écourté. Et c'était un peu bizarre sans les motards. On a fait 160 km, ça s'est plutôt bien passé. La navigation était compliquée sur deux points, mais je pense que nous nous en sortons bien. Troisième place pour le Hongrois Károly Fazekas qui s'en réjouit. Chaque jour nous nous sentons un peu plus fatigués, c'est de plus en plus difficile. Et puis les étapes sont chaotiques et très dures. Belle quatrième place pour Ember Timmermans et ses équipiers Koen Hendricks et Marcel Blackenstein. Une belle performance pour le DAF 75 qui précède le Scania Torpedo de Ade Michel Van Velzen et Marco Simons. Un autre trio néerlandais qui analyse cette journée. En soi, c'était une étape facile. Tout était réuni, avec des portions techniques, des portions rapides, et puis d'autres difficiles pour le camion, éprouvantes pour le camion. Mais c'est surtout cette chaleur qui reste difficile. Et cela, l'organisateur n'y peut rien, il ne peut pas prévoir la météo longtemps en avance. C'est mon 12e rallye et je n'ai jamais vécu ça, autant de jours d'affilée avec une telle température. Heureusement, un excellent bivouac est prévu au Marocco Desert Challenge. De quoi bien se reposer, récupérer. Et donc au général, Versteinen s'impose à Bouwens et à Fazekas. Timmermans et Van Velzen complètent le top 5. Septième étape en ligne, cette fois entre Marmite et Merzougain, partagée entre pistes rocailleuses et dunes sur la fin. On
salue le retour des motos avec devant un duel qui oppose Sherco de Lorenzo Santolino et Rui Gonsalves qui reprend une minute aujourd'hui, mais c'est insuffisant au général. À la fin, ça s'est bien passé, bien qu'il y avait quelques portions où il était difficile de s'y retrouver. Mais il était important de rester concentré. Et au final, nous remportons l'étape et j'en suis très heureux. La moto était bien, l'équipe a fait un excellent travail. Et devant, c'est donc toujours l'autre Sherco, celle de Lorenzo Santolino, qui mène la danse. Je suis premier au général et j'essaierai de conserver cette position demain. Rui va continuer de pousser, bien entendu, comme il l'a fait toute la semaine et comme je le fais aussi. Mais là, je dispose d'une petite avance et demain, je vais tenter de la gérer pour grimper sur la plus haute marche. Beau parcours aussi pour Rodney Fagotter sur sa Yamaha, en route vers un top 5, à confirmer, hein, puisqu'il reste une étape demain. Et on peut dire la même chose pour Mario Patrão, quatrième aujourd'hui sur sa KTM. En attendant, le classement du jour nous donne Gonsalves vainqueur devant Santolino et Fagotter. Patrão et Tarés complètent le top 5. Côté SSV, à deux étapes de la fin, eh bien tout reste possible. Les Hollandais Husink et Van den Brink ne sont séparés que par quelques minutes et le second nommé en reprend déjà trois aujourd'hui. Ce qui réduit l'écart à peau de chagrin entre les deux premiers au général puisque Van den Brink revient à seulement 3 secondes de Husink qui reste donc un fragile leader. Et donc clair qu'ici en SSV, eh bien la dernière étape sera décisive. Troisième place pour Rodrigo Varela et Ennio Bozzano. Tandis que la petite arcane de Becks et de Graaf termine cinquième aujourd'hui. Van der Valk et De Lange en légère difficulté ici. Et oui, franchir les dunes avec les petits SSV, ce n'est jamais une histoire facile. Et en voici une autre illustration vue de l'intérieur. Pas toujours évident non plus la navigation pour les fils Van der Valk qui nous embarquent dans leur Can-Am Maverick. Van den Broek et Van der Poel poursuivent également leur chemin et affrontent à leur tour ces murs de dunes. Ce n'est pas la meilleure journée pour Flore et Rudolf Meyer qui perdent carrément un peu plus de 2 heures sur cette 7e étape. Ils sont donc bien loin de Van den Brink qui remporte l'étape et on le rappelle, revient à 3 secondes de Husink pour la tête. Varela complète le top 3 du jour. A noter la 5e place de Becks avec l'Arcane T3. Les choses sont plus claires côté voiture avec Mathieu Serradori qui, sans surprise de dernière minute, se dirige vers la victoire. Je pense que Century a mis de gros moyens pour nous donner les évolutions pour ce rallye depuis le Dakar. Donc on n'est qu'à 4 mois du retour du Dakar. Donc c'est quand même un petit exploit de la part de Century de nous avoir donné ce matériel-là pour venir ici. Donc voilà, ça porte ses fruits. J'espère que toutes nos acquisitions de données vont évidemment servir pour les prochains développements et valider aussi tout ce qu'on a pu mettre en avant sur ce rallye. Deuxième place à nouveau pour Simon Witz et Frédéric Lefebvre qui occupent aussi la deuxième position au général. On a gardé un rythme moins soutenu de ce qu'on a pu avoir depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il n'y a pas. Mathieu est devant, il a mené, il mérite sa première place. Comme moi, je mérite ma deuxième, donc je préfère assurer ma deuxième place
et jouer la sécurité. Mike Van Eyckeren a connu des jours difficiles sur ce Marocco Desert Challenge 2023. Pour aujourd'hui, il signe un top 4. Par contre, ce fut une journée difficile pour Guillaume Dumarey, qui perd un peu plus d'une heure. 1h04 pour être précis. De leur côté, ses compatriotes Theis et Deleu font mieux aujourd'hui avec une 11e position. Hofstra et Boersma à l'approche de cette dune, qui de leur côté ont une place à défendre dans le top 10 au général. En attendant, voici donc le classement de la 7e étape, Marmite-Merzouga, avec Serradori, Witz et Pellicher sur le podium. Van Eyckeren et Galland pour compléter le top 5. Côté camion, personne ne semble en mesure d'inquiéter Vic Versteinen, à nouveau vainqueur de l'étape. Et la performance du jour est à mettre à l'actif de Anja Van Loon, avec ses équipiers Suzanne Pieck et Ben Van de Laar, qui pointent au deuxième rang. Ça s'est super bien passé. J'ai commencé en 11e position parmi les camions et là je suis deuxième. À 40 km, j'ai un peu perdu le contrôle sur une dune. Mais à part ça, tout va bien. Il faudra continuer demain. Hugo Bowens, toujours deuxième au général, troisième de cette étape. Il concède 18 minutes aujourd'hui. Termine néanmoins l'étape devant le Scania Dad Valvelzen avec Michel Valvelzen et Marco Simons à ses côtés. Petite perte de temps en revanche pour Timmermans, Hendricks et Blankenstein. Ils concèdent plus d'une heure 12 aux vainqueurs. Mais tous sont heureux de rejoindre le bivouac toujours super bien organisé lors de ce Marocco Desert Challenge. Et voici donc le classement de cette avant-dernière étape. Côté camion, Versteinen, Van Loon et Bowens sur le podium. Dernière étape déjà pour ce Marocco Desert Challenge 2023 et une boucle de 100 km de Merzouga à Merzouga. Quelques minutes seulement séparent les Sherkos de Lorenzo Santolino et Rui Gonçalves avant cette ultime étape. Et même s'il perd un peu de temps aujourd'hui, eh bien c'est Santolino qui s'en sort le mieux et c'est donc lui qui s'impose en catégorie moto. Troisième place revient à Paul Tarrés. Belle performance pour l'Espagnol. Tout comme cet autre pilote Yamaha, Rodney Fagotter. Quatrième place pour l'Australien. On retrouve une KTM au cinquième rang avec Mario Patrao. Et derrière une Husqvarna avec Salvador Vargas. Ce qui nous vaut quatre marques différentes dans le top 6. Et la victoire revient donc à Lorenzo Santolino à l'interview à l'arrivée.
Je suis assez content de cette victoire, pour l'équipe, pour les sponsors, pour tous ceux qui ont rendu cette opération possible. Et cela constituait aussi un excellent entraînement en vue du Dakar. Donc c'est vraiment important de garder un bon rythme, l'habitude de la navigation et un bon feeling sur la moto. Alors oui, je suis vraiment heureux de cette prestation. C'est mon troisième rallye, et après l'expérience en Tunisie, terminer sur le podium au général et remporter ma classe, c'est juste, là je me sens vraiment sur un petit nuage. Et alors que l'on partage une grande joie collective à l'arrivée de ce Marocco Desert Challenge, voici le classement général final, avec une victoire pour Santolino devant Gonzalves, deux Yamaha derrière les Sherco avec Tares et Fagotter, une KTM et une Husqvarna, 5e et 6e rang avec Patrao et Vargas. On se souvient que tout restait possible en catégorie SSV avec 3 secondes seulement entre les deux premiers, Husink et Van den Brink. Handicapé par une vitesse de pointe inférieure, Van den Brink a tiré son épingle du jeu en navigation et en reprenant 2 minutes à Husink, c'est donc lui qui s'impose. Nous n'en avons pas encore beaucoup parlé, mais la troisième place revient à Rudy Roxalane, le Français. Nous avions 3 secondes à récupérer sur Geert, mais avec une vitesse de pointe de 150 km à l'heure contre 130 pour nous, les 20 km de ligne droite que nous avions au début nous ont pénalisés. Et puis la navigation est devenue plus délicate. Et quand nous l'avons vu, j'ai dit à Mitchell, maintenant on va aller le chercher. Nous l'avions en point de mire. Et dans les dunes, nous avons tout fait pour le dépasser et nous y sommes parvenus. Ce n'était pas facile, ça s'est bien passé jusqu'à la moitié de l'étape, mais ensuite, le cardan avant droit s'est cassé et il a fallu poursuivre en propulsion. Et dans ces cas-là, c'est tout ou rien, c'est plein gaz, en espérant que Martin connaisse un petit problème aussi. Mais ensuite, dans les 10 derniers kilomètres, dans les dunes, c'était vraiment très très dur et là je savais que ce serait difficile. Oh, il est malgré tout satisfait de sa deuxième place, hein, Geert Husink, tout comme tous ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. Comme en attestent ces images. Et au classement général final, que des canams dans le top 10, avec une victoire de Van den Brink devant Husink et Roxalane. C'était écrit côté auto, victoire de Mathieu Serradori devant Simon Witz. Une large victoire, hein, près de 3 quarts d'heure d'avance pour le pilote de la Century. Très belle performance aussi pour Jérôme Pellichet et Pascal Larocque, troisième, devant Guy Housset et Lionel Coste, deux équipages français sur des MD Optimus. De Jong et Rosgaard terminent 11e sur leur Toyota Hilux et Hoefstra Boersma de Redline Motorsport, 8e. C'est un gros rallye, 2500 km au Maroc dans des conditions à plus de 45 degrés sur la piste, c'est énorme. Donc aujourd'hui mon constructeur est récompensé. Je pense qu'on a prouvé que la voiture était au niveau avec cette nouvelle motorisation turbo. Voilà, aujourd'hui, Century, c'est la vraie alternative pour pratiquer le rallye raid en étant encore une structure privée comme la nôtre avec SRT. C'est notre manche du Dakar. Après notre accident, on a fait le taf. Avec Fred, pareil, c'est que du bonheur. On est là, on s'est bagarré avec Mathieu, on a roulé à la loyale, donc parfait, ça nous va, ça nous a bien motivé pour la suite, donc il n'y a plus qu'à. Dumaret termine ce premier raid en 6e position. C'était juste une fantastique aventure. C'était une aventure fantastique. La collaboration avec le copilote, avec l'équipe, le terrain, l'ambiance au bivouac, c'était tout nouveau pour moi. Et c'était une très belle aventure. Je pense que vous me reverrez ici. Et toujours ces scènes de liesse. Pour les autos et buggy, comme pour le reste. Et au général final, eh bien, un top 5 totalement français, avec Serradori devant Witz, Pellichet, Housset et Rivet.
et un Century devant DMD Optimus. Et enfin, on en termine avec ce Marocco Desert Challenge 2023 avec la catégorie camion. Et une victoire Iveco avec Vic Versteinen, André van der Sand et Teun van Dahl devant les Belges Bowens, Bourboum et Wad. Et la troisième marche du podium pour les Hongrois Fazekas, Fabian et Barat. Alors que Timmermans et ses équipiers terminent sixième. Super good. Excellent, c'était une étape quand même difficile, nous avons vraiment travaillé dur avec l'équipe. C'était un rallye très difficile et nous avons traversé beaucoup de choses. Nous avons juste continué de nous battre et voilà, maintenant nous remportons la victoire. Et je pense que nous l'avons mérité car les gars ont vraiment travaillé dur. À l'interview Igor Bowens, deuxième. C'était un très beau rallye, je savais que Janus et Versteinen étaient plus rapides que moi. Et puis nous avons eu un peu de chance quand Janus a abandonné. Et donc nous terminons deuxième. Il y avait plusieurs pilotes qui pouvaient terminer troisième, mais ça s'est bien passé. Nous avons même remporté une étape. Nous étions presque toujours dans les trois premiers. C'était un très beau rallye, je suis vraiment content. Et c'est aussi le cas pour Károly Vazekas. Je suis extrêmement heureux, j'aurais signé pour cette place dès le départ. Nous sommes vraiment ravis, je pense que toute l'équipe l'est aussi. Victoire donc de Versteinen devant Bowens et Fazekas. Van Velzen et Van Loon suivent et remarquez les écarts assez importants dans cette catégorie camion. Ça n'a pas été facile, hein, c'était vraiment un rallye raid extrême. Il y a eu beaucoup d'abandons, mais bien entendu, ceux qui terminent sont d'autant plus heureux. Car terminer quelque chose d'extrême, ça donne plus de satisfaction que de terminer une course plus facile avec 300 km par jour. Je pense que vous ne verrez que des visages heureux à l'arrivée. Et c'est effectivement le cas. Hein. Ceci clôture notre dernier épisode du Marocco Desert Challenge 2023, un raid qui fut très éprouvant. Allez, on se retrouve bientôt. Portez-vous bien. Take me to the finish line. Take me to the finish line.